Parce qu'eux, ils n'ont pas intérêt à ce que toi, tu viennes travailler dans l'usine et que tu maîtrises tout le process et qu'un jour, par désir de velléité, tu dis, dis donc, fichez-moi le camp, je vais créer mon usine moi-même. Tu pars, tu crées ton usine, tu reproduis la même chose. Non, ce serait stupide et idiot. C'est pour ça qu'il y a certains intrants qu'on va importer. Et on va juste te dire, mélange ça et mélange ça. En fait, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas voir un intrant, on va écrire dessus calcaire, mais ce n'est pas le calcaire. Ou ce n'est pas seulement le calcaire. Toi, tu vas donc croire que tu connais la formule. Tu vas aller reproduire et c'est le couscous qui va sortir. Je vais prendre un exemple pratique. C'est pour ça que j'ai apporté ce coffret. Alors, quand je prends cette plaquette, on va aller derrière au niveau des ingrédients. Le premier ingrédient, c'est le sucre. Vous êtes d'accord que ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Parce qu'il existe des milliers de sucres différents. Donc, quand on met sucre, ça ne veut rien dire. Surtout qu'on ne vous donne pas la proportion de sucre qui est à l'intérieur pour une tablette de 100 grammes. Donc, cette information, c'est en fait, ça ne vous sert à rien. Je continue. Beurre de cacao. Quelle est la proportion? Vous ne savez pas. Quel est le cacao qu'on a utilisé? Parce que vous devez savoir qu'il y a les différents types de cacao. Il y a les variétés de cacao. Et les variétés n'ont pas le même résultat lorsqu'on les utilise dans un process industriel. La preuve, c'est que l'une des plus grandes usines de production de chocolat au Cameroun utilise un cacao qui provient exclusivement d'un seul producteur. Parce que moi, j'ai un ami qui est cadre là-bas et il m'a expliqué qu'ils ont essayé d'utiliser des cacaos qui venaient d'ailleurs, même de Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais pu avoir le même résultat. Et ils ont arrêté. Ils sont concentrés sur une seule personne. Donc, si vous n'utilisez pas ce cacao-là avec ces spécificités-là, traité de cette façon, vous n'aurez jamais le même résultat. Même si vous avez la même formule. Encore qu'il n'y a pas les proportions. Je prends un autre exemple. Lait entier en poudre. Vous savez que lait entier, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on dit lait entier. Qu'est-ce que ça signifie? Si tu veux avoir le lait entier, tu vas faire comment? Lait entier ne veut rien dire. Quelle est la proportion de lait entier? C'est le lait de quel animal? Tu ne sais pas. On a juste mis lait entier en poudre. Est-ce qu'il y a même le lait réellement? Tu ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas un arôme de lait? Est-ce que ce n'est pas l'amidon de maïs? Tu ne sais pas. On a juste mis lait entier en poudre. Alors, je prends notre exemple. Lactose. Ça devrait même vous inquiéter qui est lactose et sucre en même temps. Parce que le lactose, c'est une forme de sucre aussi. Qui est un sucre de quel dérivé? Qui provient de quoi? De vache. Lactose. Ça provient de quoi? Oui. C'est une forme de sucre aussi. Mais de quel lait? Parce que lui, il dit directement vache. Qui t'a dit que c'est la vache? Qui a dit que c'est la vache? Ce n'est pas écrit dessus. Quelle est la proportion qu'il y a à l'intérieur? Tu ne sais pas. Alors, je prends un autre exemple. Lécithine de soja. C'est quel soja? C'est quelle variété de soja? C'est quelle proportion de soja? C'est quelle proportion de lécithine de soja? Tu ne sais pas. Je prends un autre exemple. Arôme naturel, là encore, ça ne veut encore rien dire. Arôme naturel, ça ne veut rien dire. C'est l'arôme de quoi? C'est quelle proportion? C'est mis à quel moment dans le processus de fabrication? Tu ne sais pas. Donc, en fait, les ingrédients, ça ne sert à rien. Donc, si tu regardes juste les ingrédients, en fait, c'est inutile. Parce qu'il y a des ingrédients même qui ne sont pas écrits dessus, mais qui sont dans le chocolat. Pourquoi même si c'est inutile? Pardon? Pourquoi même? C'est une stratégie, non? Quel est l'intérêt de tout mettre? Même si je mets tout, tu ne peux pas reproduire. Parce que rien que les proportions, si tu n'as pas les proportions, tu ne peux pas reproduire. Même si je mets tous les ingrédients avec les détails, si tu ne connais pas les proportions, si tu ne connais pas à quel moment ça intervient dans le processus de fabrication, tu ne peux pas reproduire. Ce qui fait en sorte que dans le processus de fabrication, ce qu'il faut faire, c'est de diviser les étapes. Et si je me rends compte que les équipes vont peut-être travailler au même endroit, qu'est-ce que je fais? Je vais faire que les intrants viennent d'ailleurs. Ça veut dire que si vous allez tous travailler au même endroit et que c'est que vous pouvez causer entre vous, qu'est-ce que je fais? Le sucre aussi, je fais que ça vienne d'ailleurs. Donc, on travaille le sucre, on vient seulement livrer les sacs. Et je vous dis, mélangez le sucre là avec ça. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le sucre là. On va écrire sucre, mais ce n'est pas le sucre seulement. C'est la même chose que je vais faire avec le beurre de cacao. Je vais faire venir le beurre de cacao en donnant les spécificités à un producteur que je veux un beurre de cacao qui a telle spécificité. Quand il va me livrer le beurre, je vais seulement vous donner qu'allez mélanger. Toi, tu vas croire que non, il suffit de mettre le beurre de cacao. Non, il y a les spécificités du beurre de cacao. Est-ce que vous savez que le sucre qu'on utilise dans le jus,
n'est pas le même sucre qu'on vend sur le marché, alors que c'est la même usine qui fabrique ça. Le sucre qu'on utilise dans les jus gazeux, ce n'est pas le même sucre qu'on vend à la boutique. Pourtant, c'est la même usine qui fabrique ça. Vous savez ce qui se passe? C'est que l'usine qui fabrique les jus donne des spécificités de sucre à l'usine qui fabrique le sucre. Je veux un sucre qui a telle spécificité. Donc l'usine là fabrique ça uniquement pour cette entreprise-là. Il y a donc un contrat de confidentialité sur cette spécificité-là. Moi, je vois des gens essayer pour fabriquer le jus, partent à la boutique, acheter le 1 kg de sucre. Ils savent comment ça va finir. C'est-à-dire que même si tu as la formule exacte de leur jus, le simple fait que tu utilises le sucre qu'on vend au marché, tu n'auras pas le même résultat parce que ça n'a pas les mêmes spécificités. Et je tiens à vous préciser que les industries brassicoles analysent ce sucre-là en interne pour se rassurer que les spécificités sont respectées. Et si ce n'est pas respecté, on rejette. Parce qu'on n'utilise pas n'importe quel sucre pour faire le jus.